La dernière fois, vous aviez trouvé un parchemin dans la grotte de Kobol et surtout vous l'aviez lu. C'est-à-dire il y avait un tube à parchemin et Vaison, un peu curieux, l'a ouvert et dedans il y avait une liasse de feuilles sur laquelle tout était pratiquement illisible, sauf la dernière feuille, la plus récente apparemment, sur laquelle on pouvait lire une sorte de poème. Un poème un peu énigmatique, et d'ailleurs, vous avez passé tout le temps de convalescence de Vaison qui avait été blessée à réfléchir au sens de ce poème. Et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à faire du côté de la Narse, le marais dont il vaut mieux ne pas s'approcher sous peine de se noyer. Et bien entendu, vous avez décidé que vous alliez faire un tour de ce côté-là pour voir à quoi ça ressemblait. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez de bon matin au pied du pont du Ré, la rivière du Point. Et que vous partez sur le chemin qui va vers la Narse. Et on est parti équipé. On a pris Ah des ouais. trucs à grignoter. Et vous étiez équipé. Voilà. Des bâtons pour sonder aussi la profondeur. Après, je crois qu'on avait pris aussi de quoi s'éclairer au cas où. Je sais plus, je crois. On a peut-être Cas, il y a pris. un beau soleil là. Oui, c'est parce que si c'est au Il y cas a un beau où on. soleil parce que c'est un été bien chaud cette année. Après la torche c'était ou la lanterne c'est surtout au cas où on reviendrait tard. Bon, si on revient tard, de toute façon, on va bien En se fait, faire. je me souviens pas de ça, mais il me semble que vous aviez parlé d'une corde, que vous essayeriez de dénicher une corde, et que toi, tu voulais prendre ton livre de prière. Oui. Moi, j'avais Au cas où. souvenir de bâtons aussi pour Oui, on avait sonder pris. un petit peu la vase Oui, tout à fait, les et bâtons, oui. ouais. Et après, je crois qu'on savait pas trop si on emmenait le renard ou pas. Si, 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 on avait dit qu'on l'emmenait. On avait dit qu'on l'emmenait parce que comme il y avait cette histoire de celui qui habitait à côté des Oui. marais avait un renard, toi tu t'étais dit ouais peut-être que. Parce qu'on avait une grande discussion sur Sur l'âge des renards. combien ça vit les renards et toi tu prétendais que ça vivait 40 ans. Et Mais en puis, il y fait a non. toujours la tache sur le museau qui a la même forme que les feuilles sur l'étui à parchemin. Et alors que vous êtes en train de faire l'inventaire de vos affaires, de votre équipement même, en bas du pont, c'est-à-dire vous êtes à peu près là, vous voyez un cavalier qui arrive vers vous au petit galop. Un cavalier qui, malgré la chaleur, porte une veste vert foncé, bien boutonnée, et en bandoulière, il a une espèce de sacoche et il ralentit. Quand il vous voit, il passe au pas et il vous dit: Dites-moi, les enfants, la ferme de Velrail, Gaspard Grisot, vous pouvez m'expliquer où c'est? Bah oui. Vous rentrez dans le village et après vous tournez. Alors, attends, je suis en train de rechercher sur le plan. C'était du côté de. C'était en direction des bûcherons, je crois, non? Sa maison. C'est sur le plateau de Velrail. Sur le plateau. Donc bah, je lui dis Ouais, c'est ouais ici en fait. bah, vous rentrez dans le village, vous allez arriver devant le temple. Là vous prenez vous passez à droite du temple et il y a un chemin entre deux maisons qui sort du village et qui va vers le plateau et c'est là-bas. Oh, merci bien. Mais vous êtes qui? Et puis moi, eh bien, je suis un porteur de message de D'accord. la ville. Ah, d'accord. Et vous allez porter des messages à la ferme, c'est ça? Voilà, tu as tout compris. Et vous n'avez pas des messages pour le temple? Parce que moi, je vis au temple.
Si vous en avez, je peux le prendre. Non, non. C'est bien gentil, mon petit gars, mais j'ai juste un message pour le sieur Grisot. Et c'est un message express. Merci pour les indications. Et puis, il repart au petit trot. D'accord. Et tu vois que il est quand même bien chaud, le monsieur. Hein, il est bien pressé, hein. Ouais. Bon, en même temps, on ne sait pas d'où il vient, mais Ça doit être. il doit avoir des longues journées de marche, hein. Ouais, bah, c'est pas trop lui qui marche, hein. C'est plutôt son canasson, mais Ouais, le pauvre. ça doit être super de voyager, d'aller de ville en ville comme ça, là. Plutôt que de rester là. Parce que bon, Fadloche, c'est bien, mais je suis sûr qu'il y a des endroits encore mieux. C'est Là. pour ça, que voilà, moi j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas, du côté de la Nars. Ouais. D'ailleurs, on ferait mieux de pas trop rester, de se dépêcher, parce que là, on est près du village. Si jamais il y en a qui nous voient, et si jamais ils vont capter à nos parents Ouais, bah qu'on ça vient c'est ici là. sûr, là on est vraiment Ouais, on va être prenez. très visible, ouais. Bah, allez vite. Moi, je commence à m'élancer. Et voilà, j'essaie de quitte à longer après. Enfin, dès que je peux, je commence. Parce qu'en dessous le pont, il y a l'air d'y avoir toute une zone. Je fais un petit zoom. Là, il y a l'air d'y avoir toute une zone qui est un petit peu escarpée. Mais dès qu'on a passé ça, Oui, bah à peu près ici, oui. ouais. Après, on bifurque tout de suite pour s'éloigner de la route. D'accord. Et puis en même temps, moi je cours un peu, quoi. Oui. Ok. Le renard est bon d'avoir quelqu'un avec qui courir. Et vous allez m'expliquer par où vous allez passer pour aller vers la Nars, parce que je vous rappelle qu'on vous a dit que c'était très très dangereux, qu'elle se confondait avec la prairie. Donc j'aimerais connaître vos intentions. Bah déjà, ce qu'on avait prévu, c'est de passer par là. Pas si un peu ce que j'ai fait. Ouais, la petite flèche, ouais, Ah, la j'ai petite flèche. Après, disons, on va courir jusqu'à peu près ici, je pense. Puis après, on va y aller à petits pas, quoi, prudemment. En fait, ici, on voit un petit peu une délimitation, mais en réalité, vous la voyez pas, quoi. Oui, puis c'est vague, et puis la carte, on n'a pas de carte du coin, c'est un peu. Vu que c'est vaguement ce qu'on s'imagine. Donc. Bon, en fait, à la limite, ce qu'on fait, c'est dès qu'on a passé les deux espèces de rochers, là, on dirait des dents, on dirait des crocs. Oui. Dès qu'on a passé ça, effectivement, comme le disait Mimir, à partir de ce moment-là, on prend les bâtons. Et on commence à y aller un peu plus doucement et à vraiment tester. Quitte à monter sur les rochers, tu vois, pour avoir une petite vue d'ensemble. Ouais, bah ça on va voir, parce que j'ai pas trop envie de me casser la figure de là-haut. Bon, après, c'est vrai, hein, c'est sur une carte, on se dit ça peut être facilement praticable, mais on verra bien quoi. Ah, puis moi j'avoue, j'ai un. C'est pas vous qui vous êtes fait piétiner par un sanglier. Hein. Même si ça fait quelques jours, j'ai encore mal à certains par moments. Alors, j'ai pas trop. S'il faut grimper sur les rochers, bah, je vous laisse faire. Bon, T'inquiète, on verra Margot, sur place. elle regarde de droite et de gauche, elle vérifie un peu partout. J'aimerais bien trouver un prétexte pour faire demi-tour. Elle peut faire un jet de nature. Juste Marlowe ou nous aussi on fait un jet de nature Juste Marlowe. Ok. Ouais. Tu dis que.
Ça, vu ce que Fanfante a dit sur la narse, ça a l'air super dangereux de la prendre par la prairie, quoi. C'est-à-dire par là où. Par le chemin qu'on veut prendre. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que tu fais, Marlot? Tu viens ou quoi? Bah, je réfléchis, Fanfan, il m'a dit qu'il faut pas passer par la prairie. Hein. Tu veux qu'on longe, je sais pas, le ré? Ouais, vaut mieux arriver de l'autre côté. Il y a des arbres, il y aura des racines, c'est plus solide. Hein. Bon, bah d'accord, hein, de toute façon, on a le choix, donc. Donc arrivé au rocher là, au croc, on fait quoi? Alors Oui. on remonte direction la forêt pour aller. Non, en fait, c'est plutôt aller de ce côté-là. Plus vers le sud, ouais, entre les deux bosquets. Ah ouais, non, je voulais aller par là. Non, c'était. Je pensais que tu voulais longer le ré. Et ensuite descendre après par là. Si... Ouais. Pour l'instant, vous êtes là. Ah, on est là, on est arrivé ici alors. C'est pour ça que je proposais, c'est. Ouais, on vise ces, ro on vise, ces rochers-là, enfin, de ce qu'on voit, et puis après, viser l'orée de la forêt. Ouais. Avec quoi tu l'as fait, ta petite flèche, Pezzo? Ah. Tu vas à gauche, aligné au centre. C'est un cercle avec une petite règle en diagonale, à 2 heures. Et ensuite, Ouais. ensuite tu cliques dessus. Sur aligné au centre. Voilà. Bon, c'est comme ça que je l'ai fait. Comme ça. D'accord. Ok, donc vous êtes là. Ok. Bon, bah, Et je c'est sais là que pas, Marlowe, Marlowe, elle s'est dit regarde qu'en de l'autre fait, côté. Fanfan, il lui a plusieurs fois expliqué que la zone par ici, c'est très dangereuse puisqu'on ne voit pas la différence entre la prairie et la narse. Bah, du coup, je vous explique, ouais, Fanfan, il m'a dit ça. On ne voit pas la différence entre la prairie et puis. La vasouille, et c'est à ces moments-là que on met les pieds dedans et qu'on s'en sort plus. Bon bah on fait quoi alors on... De toute façon, on a des bâtons, donc voilà quoi. On peut Non, bah déjà. des bâtons, si ton bâton il s'enfonce et que tu tombes par-dessus. Ouais, mais on le verra avant s'il s'enfonce. Comme ça, on ira voir un autre chemin. Bon, sinon, oui, il a raison, Milnir. Sinon, tant pis, de là, on remonte jusqu'à l'orée de la forêt et on longe la rivière. Au moins, la rivière, on verra où on met les pieds. Ouais. Ben, ça va nous faire perdre du temps, hein, mais bon, tant pis. Ouais, enfin, je préfère perdre du temps plutôt que de disparaître. Hein. D'accord, moi je. D'accord. Bon, ben, on fait comme ça alors? Bah, si ça vous va, Ah moi je bah préfère. oui. Hein. Bon bah c'est parti alors. Sauf que Marlowe, t'es pas Ok, très vous rassurante, du traversez la coup vaut mieux faire prairie. comme tu dis. Hein. Vous traversez la prairie au chant des grillons, sous un soleil qui commence à être bien bien chaud. Mais avec vos bâtons, votre enthousiasme, c'est une balade plutôt sympathique, avec plein de papillons, des abeilles. Non, tu parles Vous d'enthousiasme, toi. arrivez dans la... Moi, je parle d'inconscience, mais... Pardon. Ouais. Et vous... Non, mais j'ai pas tout compris ce que t'as dit. Non, je dis tu parles de d'enthousiasme, moi je parle d'inconscience. D'accord. Oui, avec inconscience, si vous voulez. Le petit passage près de la rivière et en fait, au début, est très joli, mais après, vous avez un petit peu de mal à circuler le long de la berge. Donc, en fait, ça devient plutôt une promenade en forêt pour aller vers le sud. Et à un moment, vous finissez par arriver un petit peu, les arbres se raréfient. Et
et vous arrivez enfin devant ce qui ressemble à une grande clairière avec une belle étendue d'herbes vertes. Et vous n'entendez le vous entendez que les oiseaux sont plutôt derrière vous dans les bois et que ici cette clairière elle est bien silencieuse. Il n'y a pas de grillons, pas d'abeilles. Le renard, il réagit comment? Il a l'air un peu nerveux. Tu vois, il recule, il avance, il tourne autour de vous, il couine un petit peu. C'est pas normal ça quand il n'y a plus de bruit comme ça dans la forêt. Non, et regarde ce qu'il fait. Il y a un truc bizarre. Attendez, taisez-vous. Il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a Faites-vous un quelque jet chose. de chance, tous les trois. Alors tu fais. Sur un dessin. Où est-ce qu'il y a une descente? Ah, il y a... Marlo, tu juste au moment où vous dites ça, tu te fais piquer par un moustique Aïe! en plein sur la joue. Ah, il m'a piqué! Il y a quand même des êtres vivants. Et si vous regardez bien la clairière, au bout d'un moment, vous avez l'impression qu'il y a un léger mouvement qui ondule sous la surface à un endroit là. Sous la clairière, c'est-à-dire un peu Au niveau du sol, au sous ras les du hautes sol. herbes, un peu. En fait, c'est pas des hautes herbes. Il y a quelques hautes herbes, oui, mais ça les fait bouger, tu vois. Comme quelque chose qui se déplace planqué ou... Ou juste la Et brise. bien, certainement, oui. C'est difficile à dire. Je ramasse un caillou si j'en trouve un et je vais essayer Oui, de ça ne le... devrait pas poser de problème. Je prends un caillou et je le balance dans la direction de là où ça bouge. Si c'est, je me dis si c'est un animal, il va Ah oui, et certainement puis si c'est un s'enfuir en courant. sanglier, il va être très content. Oui, bah c'est, Mais trop tard. oui, c'est, oui, c'est ce que. Tu lances le caillou, c'est à peu près à 2 mètres hein, de vous. Et ça fait une espèce de plotch. Alors, pas le bruit que ça fait quand tu lances un truc dans de l'eau, mais pas non plus le bruit que ça fait quand tu lances un truc dans de l'herbe normale, quoi. C'est plutôt un entre-deux. Peut-être de la boue, de la Et base. la tourbe. ça bouge encore un tout petit peu, puis ça bouge plus. Il y a peut-être des bestioles dans cette tourbe, hein, cette vase. Ouais, c'est un peu normal, hein. Oh, ça a pas l'air très gros quand même. Ah, par contre, on a intérêt à y aller avec les bâtons là. Hein. Ah bah de toute façon, je l'ai toujours à la main. Il faut bien qu'on. Il faut. Moi je dis, il faut bien qu'on marche les uns derrière les autres pour bien aplatir pour que ça fasse une. Pour que ça fasse un chemin, qu'on voit par où on est passé. Moi, je veux pas passer la première. Bah Quand non, mais. les on parle, vous avez l'impression que qu'en fait on n'entend que lui tellement tout est silencieux. Bah non, mais Marlo, tu passes pas devant, c'est Mimir qui va y aller. Devant. Ouais, t'inquiète. Moi, je passe devant en tout cas, et puis. Bien sûr, prudemment, hein, j'y vais pas en courant. Mais je garde mon bâton. Puis voilà, je le brandis un peu. Et en même temps, de temps en temps, je l'enfonce dans la vase hein, pour voir si c'est praticable. Donc pour essayer de me frayer un chemin. Fais un jet de sauvegarde de dextérité.
Oh, joli. T'avances un peu, tu sondes avec ton bâton, et puis au bout d'un moment, ce qui paraissait un sol solide, ça commence à être un peu pâteux. Et puis Alors. finalement, tu as un pied qui part sur le côté et qui pourrait s'enfoncer. Tu as l'impression d'un coup qu'il pourrait s'enfoncer loin. Et heureusement, d'un coup de rein, tu arrives à rétablir ton équilibre. Et le renard couine de plus en plus fort. Il est resté avec un petit peu en arrière avec Marlot et Vaison. Et vous avez l'impression qu'il est un peu inquiet. Surtout quand il hérisse comme ça. Bah. Ça le rend nerveux. Bah ouais, mais si, enfin, faut bien qu'on essaie de trouver qu'on essaie de trouver cette cabane là. Ouais, bah, elle est peut-être pas là en plein milieu du truc, hein. Elle est peut-être, je sais pas moi, sur le côté ou dans les bois à côté. Il n'a pas construit sa cabane sur la vase. Bah, je sais pas, non, Bah, il est pas bête le gars quand même. on va quand même continuer, on va quand même aller de l'autre côté de la clairière. Faut bien Vaison, fais voir un jet de nature. alors. Ouais, moyen. Ouais, tu vois Marlot qui écrase un autre moustique sur son bras, elle s'est encore fait piquer. Bon. Et t'espères que toi tu vas pas te faire piquer, quoi. Parce que c'est embêtant les moustiques. C'est les marais, hein. C'est pas là qu'elle va être, on voit rien. Je regarde un peu autour, est-ce que je distingue un bâtiment ou je sais pas, un reste de quelque chose qui indiquerait qu'il y aurait eu Alors, une construction là. c'est plutôt une très grande étendue sauvage avec des touffes de bosquets ici et là. Bon, il n'y a rien, je On dirait une regarde. grande prairie en fait. Ouais, bah je regarde, hein, ils ont l'air de vouloir dire qu'il y aurait eu la Bah. cabane là, mais. Et non, il n'y a rien qui ressemble à une petite maison. Le renard, maintenant, il est derrière vous et puis il couine encore, il pleure un peu. Alors je le prends dans les bras et puis je vous dis, bon, vous voyez bien qu'il n'y a rien là. Moi je fais demi-tour. Je retourne, faut fouiller plus dans les bois ou ailleurs, mais pas là, là, il n'y a rien de bon. Puis moi, je vais me faire manger par les moustiques. Bon. D'accord, et le renard, il pourrait peut-être nous dire, je sais pas, peut-être nous indiquer. Ah bah là, il nous dit qu'il a peur, hein, que c'est pas Bon, bon du on va tout. le suivre, hein. En tout cas, il se débat et puis t'es obligé de le lâcher et il va droit vers la forêt. Bah voilà. Allez, moi je vite, il faut le retrouver. Bon, Faut bah pas qu'on le perde. on va emboîter le pas au renard alors. Ouais, vous le suivez et en fait, il va droit vers. Alors, je sais pas si ça se voit avec. Est-ce que vous voyez ma pointe? Ouais, Ouais. bien sûr. Ouais. Vers là, et vous trouvez. À un moment, vous avez l'impression que c'est des arbres tombés, mais en fait, en vous rapprochant, vous remarquez que c'est les restes d'une cabane qui a été à l'abandon depuis longtemps. Avec le toit effondré, les murs de forme qui se sont affaissés. Ha! Oui, tu avais raison. J'avais dit. Tu avais raison. N'empêche que là, c'est surtout le renard qui l'a trouvé. Mmh.
Depuis tout à l'heure que je vous dis qu'on va rien trouver au fond de la vase, hein. Bon. Eh bien, la prochaine fois, tu demanderas au renard ce qu'il faut faire et puis il te dira. Bah, du coup, je suis un peu vexé. Donc, je m'éloigne du go, je m'approche de là où il y a le reste de la cabane. Et puis, bah, je vais commencer à fouiller. Alors, bon, au début, comme je suis un peu vexé, au début, je fouille, tu sais, genre, je retourne un truc avec mon pied. Voilà, parce que ça m'énerve, parce que je fais un peu de boudin. Mais en fait, dès que je commence à fouiller, au bout de quelques instants, je commence à y mettre les mains et à retourner. Puis j'oublie en fait que j'étais vexé parce que, bon, ça y est, on a trouvé la cabane. S'il y a des trucs à trouver, c'est voilà, on y est. C'est le moment de chercher et d'ouvrir l'œil. Et je commence à fouiller. Vas-y, fais un jet de perception. Moi, je continue à observer la réaction du renard. Il est comment? Il Le est renard, en fait, apaisé. il a tourné 3 fois sur lui-même et il s'est couché. Il se lèche les pattes en regardant un peu du coin de l'œil. Il regarde ce que Vaison fait. Bah, du coup, moi, je fouille Et aussi, hein. Vaison, il. Ouais, vas-y. Vaison a commencé à entrer un petit peu dans le périmètre de la cabane. Et puis, tu commences à reconnaître que là, il y a le vestige d'une paillasse posée peut-être. Il y avait peut-être un petit sommier avant, enfin, un faux sommier de planche, mais on voit plus grand-chose. Hein. Mais il y a un tissu un peu moisi, à moitié bouffé avec de la paille, enfin, tu peux imaginer, vu ce que tu vois comme reste, qu'il y avait peut-être un peu de paille dedans. Tu vas trouver, et Milnir aussi, à un moment, il y a des restes de vaisselle. Peut-être un lambeau de vieille couverture. Et des objets, des petits objets comme ça, très simples, d'un quotidien vraiment modeste. J'avoue que je m'attendais à trouver des trucs un peu plus. Bah, je sais pas, un trésor, quoi, quelque chose. Bah Ou un c'est, il livre est sûrement sacré. caché. Bon, je vous ai rejoint un petit peu, j'ai rassuré le renard un moment. S'il s'est laissé approcher, je l'ai caressé un bon moment en essayant de le rassurer tout autant que pour me rassurer moi-même, en fait. Et D'accord. est-ce que ça l'apaise un peu ou pas du tout? Fais voir un jet de dressage. Alors, Et puis moi, comme Marlo, elle parlait de. Elle a dit, ouais, c'était peut-être que le truc s'est caché. Je me dis, ouais, dans la grotte de Kobol, il y avait des objets qui étaient. Il y avait peut-être des trucs qui étaient cachés, je crois. Donc je me dis, où est-ce que ça pourrait être caché? Et je me dis, bah, peut-être sous ce qui lui servait de lit ou un truc comme ça. Et je vais commencer un peu à soulever, à regarder s'il n'y a pas ouais, s'il n'y a pas un truc, des planches au sol qui seraient recouvertes et qui permettraient où il y aurait une espèce de petite cavité en dessous où on pourrait cacher des trucs un peu précieux. Je me mets vraiment à Alors, tu fouiller le sol. soulèves et tu soulèves ça et Milnir vient t'aider. Et en fait, vous trouvez surtout, c'est pas très ragoûtant, les insectes et limaces qui sont collés en général dans ce genre d'endroit. Pendant ce temps, Marlo, toi, tu sens que le renard, il est bien, il est bien content que tu t'occupes de lui et il commence effectivement à relâcher ses muscles. Ah, ça me fait du bien. Du coup, je les rejoins et je fouille peut-être un petit peu les alentours, puisqu'on ils sont déjà deux dans les décombres un peu de la cabane. Donc, je fouille plutôt les alentours.
Je sais que voilà, souvent quand on vit dans la nature, il y a des endroits où on laisse de quoi braconner ou un endroit où on laisse de l'eau. Donc voilà, je vais plus chercher autour de la cabane. Et moi, si je te vois faire ça à travers les ruines du truc, je te dis, mais c'est là, c'est à l'intérieur qu'il faut fouiller, c'est pas dehors. Bah, tu fouilles déjà, je te laisse faire. Vas-y, fais-moi un jet de survie. Et je regarde, je lance un regard à Milnir en levant les yeux au ciel, genre, bon, n'importe quoi. Elle cherche pas au bon endroit, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que Vaison t'embête en te contrariant, mais tu trouves pas des traces de ce que tu cherches, mais par contre tu te dis que en fait ça doit faire un paquet d'années qu'il n'y a personne qui est venu là et que la nature a reprend ses droits petit à petit On a sûrement et que ça va être effacé des difficile de traces. trouver des restes. D'accord. Bon, bah, tout en grattant les piqûres de moustiques qui commencent à me démanger la joue, là, je fais quelques pas, je regarde et je me dis, tiens, si j'avais été ce bonhomme, où est-ce que j'aurais mis mes provisions? Où est-ce que j'aurais été chercher de l'eau, etc. Pour trouver. Oui, bah tu dis que l'autre Voilà. aurait été la chercher à la rivière, tout Ouais. simplement. Bah, du coup, je fais le chemin de la petite cabane à la rivière. Ouais, t'en as pour une bonne demi-heure quand même. Ah oui. Enfin, 20 minutes, 20. Oui. C'est pas à côté. Enfin, ça dépend vers où tu vas, oui, non. C'est peut-être plus court si tu vas par là. C'est plus court que si tu vas par là, oui. C'est peut-être pas une super bonne idée de se séparer. Mais qu'est-ce que tu fais, Je me sépare pas, Marlo? je regarde juste, bah, il devait aller chercher de l'eau. Alors peut-être qu'il a laissé un seau ou des trucs près de la rivière. Mais continuez à chercher la cabane, vous êtes à deux à fouiller la cabane, ça suffit. Pas besoin d'être à 40 non plus. Ah. Ah, fais attention quand même, hein, c'est pas côté-côté, hein. Non mais quand je vous suis pas, eh ben ça va pas parce que je fais pas comme vous. Et quand je fais autre chose pas comme vous, ben ça va pas non plus. Vous devez devenir pénible comme des adultes. Hein. Bah, prends au moins le renard avec toi. Et ben il me suit, regarde qu'est-ce qu'il fait. Ben, il se repose là. Ouais, moi je regarde s'il n'y a pas Ouais, des il est en train symboles de similaires à ceux mâchonner de l'herbe. qu'on avait vus, qu'on avait repérés dans la caverne. Dans la caverne, c'était surtout des des dessins de gens cul nus, hein. Et c'était dans l'ouvrage en fait que tu avais récupéré qu'il y avait des symboles, c'est ça? Ah oui, c'était oui. Bah d'ailleurs, de toute façon, je l'ai, hein, le truc. J'avais pris avec moi. Le parchemin. Ouais, j'avais même gardé Le l'étui avec roquet. moi. On voit des, je sais pas, des inscriptions dans cette cabane, peut-être des messages qui auraient été gravés. Ça serait bien, mais en fait, ça a l'air beaucoup plus dépouillé que ça. C'est-à-dire que il y a le tube qui est joliment décoré avec les feuilles d'argent, et puis il y a cette vieille liasse de parchemin dont seule la dernière page est lisible et qui décrit juste quelques vers. Une espèce de qui dont le sens vous échappe un peu. Ah, et puis en plus, le truc, s'il y avait vraiment quelque chose à trouver, peut-être que là, sur le parchemin, c'est quand même marqué par la nuit sans nuage d'été. C'est peut-être que c'est un truc qui se verrait que la nuit. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que quand Marlowe va revenir, il faudrait lui proposer de rester dormir cette nuit, dans cette cabane. Ouais. C'est un peu ça. Je sens que ça va être compliqué. Elle va être contente. Je sens que ça va être un peu compliqué. On pourra Bon, toujours essayer. toute façon, vu le temps qu'il a vécu dire, dans cette cabane, vraiment, il n'y a pas trop de danger, hein. Et puis, je regarde un peu s'il y Vaison, a. fais voir un jet Ouais. d'investigation, s'il te plaît. Et après, je veux bien que tu m'expliques.
Oh, ben 10 petits 18. Ouais. Oui, tu voulais faire quoi quand je t'ai interrompu? Non, j'étais. En fait, j'étais allé. On était à l'extérieur de la cabane, j'avais sorti le parchemin, j'étais en train de relire et tout. Et puis machinalement, en fait, vu qu'on n'a rien trouvé à l'intérieur de la maison, je me dis, je sais pas, peut-être que s'il y avait quelque chose de précieux, peut-être qu'il l'aurait pas caché dans la maison. S'il y avait, peut-être qu'il l'aurait planqué sous une souche d'arbre qui aurait pas très très loin. Donc, je commençais à regarder un petit peu s'il n'y avait pas un arbre un peu particulier où il aurait pu planquer quelque chose dans les racines. En fait, je me dis, bon, s'il avait quelque chose de précieux, s'il l'a pas caché dans la maison, il l'a peut-être caché à l'extérieur de la maison pour que ce soit plus difficile à trouver pour quelqu'un qui n'est pas au courant. Mais il faut que ce soit un endroit qui peut se retrouver facilement. Donc, du coup, je regarde un petit peu aussi autour, voir, on sait jamais, ou une grosse pierre ou un truc comme ça, tu vois. D'accord. Tu cherches et en même temps tu repenses à ton parchemin là. Et en le lisant, tu as vraiment l'impression que, ouais, que c'est une énigme. Et puis en plus, tu réfléchis parce que tu as bien regardé les constellations dans le livre et tu as bien regardé aussi. Quand tu pouvais les étoiles dehors. Et tu te dis que le chasseur dans le ciel, il va être orienté comme ça. Attends, si t'as fait Avec. un, attends, parce que si t'as fait une flèche sur la map, j'ai vu que j'ai ma feuille de perso qui est ouverte en grand dessus, je vois pas. C'est bon. Il sera plutôt orienté comme ça avec. Enfin. Voilà, on va dire si c'est là comme ça, si tu trouves là. Donc déjà dans la forêt, tu verras rien. Et le haut de la flèche représentant la flèche du chasseur. Hein. Et le bas ici représentant. Enfin, tu vas dans le ciel, c'est aligné comme ça. Ouais. Que tu as les pieds vers le sud et la flèche vers le nord. D'accord. Pied vers le Et sud. tu t'en souviens en relisant ce parchemin, maintenant que tu es dehors. Et du coup, alors du coup, ce serait. Je réfléchis, ouais, j'ai ça qui me revient en tête. Et parce que oui, en plus, comme j'ai parlé qu'il fallait peut-être rester la nuit. Du coup, ouais, si on reste cette nuit, là, il fait très beau, il n'y aura pas de nuages, on verra la constellation. Et parce que dans la constellation, c'est marqué, le chasseur est ton guide, suit la lumière dansante à son pied, la lumière dansante à son pied déposé, après l'avoir appelé trois fois. Faudra voir par rapport au. On voit la constellation, on voit où est sa tête, où est son arc. Où sont ses pieds? Ses pieds ou Ouais, hein? ce soir on verra. Et les jours précédents, il était à quel niveau son pied? Il était au niveau de Rigaud, chenal de Rigaud. Je t'avoue que les nuits précédentes, j'ai pas vraiment regardé, mais En fait, disons, tu sais aussi que ça dépend de l'heure. La voûte stellaire, elle bouge un peu en fonction de l'heure. oui. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste faut qu'on attende la nuit. Faut qu'on attende la nuit. C'est pas là, on verra on verra le chasseur. C'est lui le guide. C'est marqué sur le poème. C'est lui le guide. Donc, ça va pas plaire à Marlowe. Puis ça va pas plaire à nos parents. Enfin, à vos parents non plus, et ni à Hyacinthe, mais On n'a pas le choix. si on veut découvrir ce qui se cache là derrière, on va pas avoir le choix. Il faut qu'on reste. À la limite, Mini, on peut commencer déjà à essayer de rassembler un peu de bois pour préparer de quoi faire un feu. Déjà, ouais. Et puis peut-être récupérer un peu de. On avait récupéré toute. Moi, j'ai récupéré
quelques parts de gâteau, voilà quoi. Ah, puis On au pourra se faire pire, un bon repas. ouais, puis au pire, puis pour allumer, enfin pour faire le feu, bon, au pire, là, dans le rouleau à parchemin, il y a quelques feuilles qui sont complètement illisibles. Bon, je pense que c'est pas grave si on s'en sert pour allumer le feu, hein. Et peut-être, tu sais, hein, si, je sais pas, si on met les feuilles de parchemin vraiment devant une flamme, justement, on pourrait voir quelque chose, hein, peut-être un message, ouais, ça, qui pourrait apparaître Ouais. avant de les brûler. Ouais, on peut regarder, ouais. Ouais, j'ai déjà lu un truc comme ça. Je sais plus ce qu'ils utilisent pour faire ça, mais. Ouais, il faut utiliser une sorte de produit, je crois, enfin quelque chose d'acide, quoi, une sorte de fruit avec un acide, genre citron. Ouais, moi je pense. Ouais, je pense plutôt que ce serait. Ça me. Je pense plutôt que ce serait quand même avec une espèce d'encre magique, mais parce que juste du citron, c'est un petit peu facile quand même. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est de l'encre magique. Du coup, il faudrait peut-être éviter de les cramer. Hein. Bah, on les crame Gardons-les précieusement. ensuite. On peut récupérer des feuilles à côté. Bon, ok. En Bon, plus, bah. tu vois, c'est une chaleur écrasante. Dire les feuilles comme ça, les petits bois comme ça, c'est bon sec. Bon, bah on va faire ça alors, on va préparer. En attendant que Marlo revienne, on va préparer de quoi faire un feu. Elle va être contente quand nous. Elle Oui. va nous voir préparer les campings. Un jet de survie, s'il vous plaît, messieurs. Enfin, surtout Vaison, parce que c'est lui qui fait le feu. Bah, du coup, comme on. Est-ce que. Non, Est-ce pas tout de que. suite, là. Vu qu'on est à deux. Ah, bah si, on commence à tout préparer. Vu qu'on est à deux pour faire ça, est-ce que je crois qu'il me semble que Tu peux avoir un avantage, ouais. ouais, un avantage sur le GD, je crois. Ouais. Alors, par contre, ah oui, c'est ça. Cliquez sur avantage. Ah bah super. Je lance 2 dés de garde meilleur. J'ai J'ai fait choisi 7, 7 ou 7? 7 ou 7. Voilà. Ah oui, Marlo, attends. quand tu retournes auprès. Enfin, je ne sais pas si tu voulais. En fait, tu es allé près de la rivière. Certainement, tu as repéré un endroit où on pouvait un peu descendre si on avait un seau pour prendre de l'eau. Mais tu as eu beau chercher, tu n'as pas trouvé de récipient. OK. Et quand tu reviens, tu vois Milnir et Vaison qui sont en train de se. Enfin, Vaison, il vient de se taper un caillou sur le doigt en essayant d'allumer un feu. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, j'essaie d'allumer un feu pour ce soir. Allez, viens nous aider. T'essayes d'allumer un feu là maintenant pour ce soir, mais c'est pas la peine, il fait pas encore nuit. Non, mais on se prépare. Bah oui. Et ben l'allume pas alors, sinon tout ton bois il va être brûlé. Ouais, enfin, on est dans la forêt, du bois, on va en trouver. Oh là là. Je mets ma tête dans les mains. Mais c'est pas possible. Mais déjà, pourquoi vous voulez faire un feu? On va rentrer là. On va pas le faire tout de suite, on va le préparer pour tout à l'heure. Il faut. C'est dans le poème. C'est à la lueur. Je sais plus quoi. Attends, je sors le parchemin. Par la nuit, sans nuage d'été. Le chasseur est ton guide. Le chasseur, c'est la constellation. Si on n'est pas de nuit, on ne le voit pas. Donc pour le voir, il faut rester dehors cette nuit. On va se faire tuer si on rentre pas cette nuit. Mais non, peut rien nous arriver dans cette cabane. Non, mais je vous parle pas de la cabane, je vous parle de nos parents quand on va rentrer. Mais là, on va peut-être trouver un trésor ou quelque chose de précieux. Ah, parce que ça va vachement les impressionner, les calmer, le fait qu'on soit pas rentré de la nuit. Elle va dire quoi, Hyacinthe? Oh, Vaison, t'es pas rentré de la nuit. Tu es parti près du marais le plus dangereux de la Narse du coin, tout seul, mais tu as ramené.
Je n'en sais rien ce qu'on va Ben oui, j'en ramener. sais rien. Ben, tu vas surtout te ramener des ennuis, Mais oui. là, il y a une énigme. Il y a quelque chose, il y a une énigme. Non, mais ça, j'ai compris. Je dis pas le contraire. Mais au moins, il faut faire semblant de rentrer et de dormir. Ah mais non, si on rentre. Imagine si on sort de chez nous et qu'on fait 200 mètres et on se fait intercepter par quelqu'un. On a mis combien de temps à venir jusque-là? Ah bah vu que vous avez fait un beau détour du temps parce que vous êtes ensuite allé au pied enfin devant au pied de la forêt là au pied de la Nars et finalement vous êtes remonté. Enfin ça fait en gros ça fait bien 3 heures que vous êtes parti avec tout ce que vous avez fait. Ah, ça fait ça. Si on ressort, Là, il est midi, quoi. on a largement le temps de revenir. Ah, puis, je sais pas, par exemple, on dit qu'on dort chez Milnir. Et Milnir, il dit qu'il dort chez Vaison. Ça, c'est un peu une idée que j'avais proposée il y a quelques jours. Oui. Et on m'a dit, oh non, non. Ah. C'est Bah, quelque de chose toute qui n'a pas façon, ce qu'on discuté avait maintenant. dit, c'est qu'on allait en repérage et puis ensuite qu'on prévoyait d'y aller un peu plus tard dans la nuit. Donc on peut revenir chez nous. Voilà, on a repéré l'endroit exactement de la cabane. Voilà, on repart passer du temps avec nos parents et puis après, on nous voir nous coucher et puis après on pourra partir. On va faire le mur. Et ça, on pourra s'équiper et récupérer une lanterne aussi. Ça, ce sera bien. Et de quoi allumer un feu. Parce que de toute façon, on va pas attendre jusqu'à ce soir comme ça ici, dans la cabane, quoi. Non, bah c'est vrai. On a réussi ce qu'on voulait faire, on a repéré exactement l'endroit. Comme ça, ce soir, pour y aller, on perdra pas de temps. Ouais, on risque pas de couler au fond de. Et je suis en train de. Là, je relis. Le chasseur est ton guide. Suis la lumière dansante à son pied déposé après l'avoir appelé 3 fois. C'est quoi la lumière dansante? C'est une torche, une bougie. Bah, une flamme qui danse, c'est la lumière dansante, je sais pas. Oui, mais il doit y avoir autre chose qui reste là tout le temps. La lumière dansante d'une torche, c'est quand il y a quelqu'un, mais s'il n'y a personne, il n'y a plus rien. Ah, vous avez déjà entendu des gens parler que parfois ils voient des lumières dans les marais, des Oui, feux c'est ce que follets. j'avais dit la dernière fois. Bah, je me souviens plus. Entre-temps, je me suis fait écraser par un sanglier. Alors j'ai un petit peu oublié ce que tu avais Mais dit. bon, ça va pas être l'excuse à tout non plus, hein. Ouais, ça c'est bien une réflexion de quelqu'un qui s'est pas fait foncer dessus par un sanglier. Bon, bah alors on rentre alors et on revient tout à l'heure. Oui, faisons ça, comme ça on pourra rester avec nos parents et puis voilà, nos proches, notre prêtresse. Et puis voilà quoi, on pourra au moins essayer d'effacer tout soupçon au plan d'exploration ce soir, pour essayer de résoudre cette énigme. Ouais, et puis on pourra aussi en profiter pour prendre des couvertures parce que si le peut-être que là dans pleine journée il fait bon, mais la nuit en forêt il va faire un petit peu frais. Surtout avec entre la rivière et le marais là, on a intérêt à prendre une couverture. Ok. Bon bah allez, on va refaire le chemin en sens inverse, Allez, retour on au village. repart. Ok. Vous arrivez au village. Je veux bien que vous m'écriviez dans le chat la petite liste des choses que vous pensez apprendre. Tu écris, Belette? Oui. Donc on a dit couverture,
Lanterne, Torche. torche, briquet. Lanterne. Briquet. On a toujours bâton, grand sac, des provisions parce qu'on sait jamais. Des gâteaux. Du citron aussi, ou alors un truc pour demander à Hyacinthe, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire révéler, je sais pas, un message caché sur un parchemin. D'ailleurs, vous avez Peut-être. bien envie de manger les biscuits que vous aviez pris Ben oui, pour la oui, journée, parce que là. ça creuse là. Hein. Puis on a eu Ouais. sacrément un peu peur quand même. Hein. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses ou pas? Et quant au renard, lui, il a chassé une ou deux souris qu'il a mangées. C'est bien. Il ne se laisse pas abattre. Moi, je pense quand même que je vais aller quand même mettre de côté. Je vais aller farfouiller si, parce que bon, autour du temple, je sais pas si y a des, si on a des plantes, on a un jardin, un potager ou un Un truc avec des, jardin simple, sûrement. ouais, avec des quelques herbes médicinales ou des trucs comme ça. Ce qui veut dire qu'on a très certainement quelques outils. Et je me dis que ce serait peut-être pas une mauvaise idée de prendre un truc, de prendre un outil pour le cas où. Je veux dire, là, le sanglier, il se D'accord. met un coup de fourche dans le cul, ça se serait peut-être pas passé pareil. Une fourche. Bon, je vais peut-être pas me promener avec une fourche, je regarde s'il y aurait un truc. J'allais dire, il y a aussi les fourches de l'écurie. Bah oui. Ouais. Voilà, il va falloir être discret quand on va sortir, hein, parce que on va se faire cramer direct. Comment avec la fourche et les provisions, gling, gling, gling. Vous faites quoi derrière, Ria? C'est un rituel pour s'endormir. On a peut-être, Hyacinthe, elle a peut-être une petite hachette ou une serpe. Mais toi, t'es traumatisé par le sanglier. Ah bah attends, oui, j'ai pas envie de, j'ai pas vu ce qu'il y avait en Une serpe, forêt là. écoute, oui, il peut y avoir une petite serpette, ouais. Ah, donc je prends voilà, un outil. Je pense que je vais embarquer au moins deux ou trois outils, dont C'est la. un peu lourd, hein, les outils. Ah, Lourd tu ou les encombrant, portes, selon hein? les outils, tu vois. Bah, la fourche, oui, la fourche, de toute façon, la fourche, ça va être encombrant, mais je vais la prendre. Et après, le truc, c'est. En fait, c'est surtout pour préparer des outils et pour les distribuer à mes deux complices. Alors, filer la serpette et il y a peut-être un truc comme une espèce de petite machette ou un truc comme ça, histoire que on ait un truc pour se défendre, même si bon, on s'est jamais battu avec des armes, mais c'est pas grave, mais au moins qu'on ait Mais de de quoi quoi. tuer un sanglier, quoi. Ouais, ben, si on recroise un sanglier, tu seras contente d'avoir tout ça. Moi, j'ai mon renard. Pour les pipeaux, vous dites quoi à qui? Alors. Ah bah ça va être vite réglé, hein, je pense. Comme Marlowe disait tout à l'heure. Ah, c'est toi qui disais. Oui, moi j'avais dit. Oui. C'est moi je dis que je vais dormir chez Milnir. Milnir, il va dire qu'il dit qu'il vient dormir, qu'il va dormir au temple. Et puis Marlowe, elle dit qu'elle va dormir je sais pas où. Au temple aussi. Non. Ouais. Donc on va se faire bien défoncer si jamais notre on Il serait. croise Hyacinthe et ouais. Mais bon, mes parents, vu Ok, la journée donc. de travail qu'ils ont, ils vont être fatigués, quoi. Parce que Et puis c'est À la pas la question, première fois que je vais dormir chez toi. j'ai une petite question à notre cabane dans les bois. On n'y a jamais dormi une seule nuit. moi j'y avais pensé aussi, à dire qu'on allait vous dormir dans avez la sûrement cabane. dû y dormir une fois ou l'autre, oui. Est-ce que du Donc coup on a le droit d'aller dormir là-bas ou pas? à la limite, voilà ce que je veux dire. Ouais, moi j'y avais Sinon, pensé à ça. on dit qu'on va se, on dit qu'on va faire, on va passer la nuit dans la cabane, dans notre cabane, et que c'est pour. Ouais, c'est pas vraiment un mensonge, j'en ai pas très loin.
On est en forêt. On est en forêt et on sera on dans est une... proche d'une cabane, mais On c'est sera à pas la côté d'une bonne. cabane. Par contre, chaque fois que vous êtes allé passer la nuit dans la cabane, vous y êtes pas allé de nuit. Ouais, on a été faire la sieste dans la cabane, quoi. Non, je veux dire, vous n'êtes pas parti, on vous laissera pas quitter le village quand il fait déjà nuit. Voilà. Ah bah on Ah, part avant ah bah alors. oui, c'est au contraire, ça nous arrange. Ça nous arrange. Si on l'a déjà fait, on calcule et puis on se dit, bon, bah allez, Ouais. à telle heure, on y va pour avoir le temps de s'installer. On a embarqué nos couvertures. Bon, du coup, je vais peut-être pas prendre la fourche, mais si un outil ou deux, comme je disais, je le planque Dans le sac, dans un ouais. grand sac. Et puis là. Et voilà, et du coup, comme ça, c'est bien. On raconte pas trop de bobards. Voilà. On raconte pas trop de bobards. On dit ça, là, on passe la nuit à notre On cabane. vous dit, on vous rappelle que, comme d'habitude, hein, vous sortez pas de la cabane parce qu'avec les fades, ça peut être dangereux. Ah bah non, bien sûr, on sort pas de la cabane. C'est. En plus, Ah la ouais, vieille ouais. Grinchée nous a encore raconté des histoires et tout ça, donc Non, non, on promet, du coup, on peut partir avec tout, pas trop tard. Ça nous permet d'aller jusqu'à la cabane près de la narse. jusqu'à notre cabane. Clin d'œil, clin d'œil. voilà, ouais. On s'est donné rendez-vous Il y a à un ça, endroit. regarde Marlo d'un drôle d'œil quand même quand elle a parlé de la narse. Elle dit, vous comptez pas faire. Vous comptez bien aller dans la cabane et rester dans la cabane toute la nuit. Mais De toute façon, oui. Oui. Hein, On est et vous n'allez pas prudent, hein. traîner du côté de la narse. Entre les fades et le marais qui tue des gens tous les ans, c'est. Non, on n'est pas fou. On va regarder les étoiles. Oui, et d'ailleurs, je sors. J'emmène ce livre-là sur les étoiles et les constellations. Comme ça, je vais pouvoir leur montrer parce qu'ils n'en connaissent pas beaucoup. Hein. Donc on va regarder les étoiles surtout. Bon, ok. Bon, c'est bon, on est tous prêts. Je suis en train de me demander qu'est-ce que c'est ce village qui laisse les enfants dormir dans une cabane dans la forêt alors qu'il y a plein de fades, mais ok. Après, je sais Vous pas. êtes tous les trois ensemble. Vous avez 13-14 ans, écoute. Voilà. 12-13 ans plutôt. Non, j'ai 14 ans. Un an, ça fait la différence. Tout de suite, on est tout de suite plus sage. D'accord, donc vous partez en direction de la cabane? Oui, alors, pour donner le change, hein, on Alors, va. la cabane, elle est. Ah, je vais reprendre mon truc. La cabane, elle est là. Du coup, Oh, c'est pas donc, hyper loin. ouais. La cabane, puis une fois arrivé à la cabane, on bifurque. Je vais Oui, bah réessayer. voilà, on longe comme ça. Part comme ça, et puis après, hop. Ouais. Sachant que la rivière. Elle est large et profonde ou pas? Il y a du courant. Ici, là. C'est un torrent de montagne assez large. Tu vas quand même faire 3 mètres, 3-4 mètres de largeur. Ah ouais. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il va falloir qu'en pleine nuit, vous repassiez par le village parce que ici, c'est trop haut, le dénivelé.
les espèces de petites de voilà. Et ici, c'est un peu voilà, en pleine nuit, la rivière avec le courant, tout ça, c'est un petit peu dangereux. Après, ça se tente, hein, mais. Ouais, Je ouais, ouais. rappelle que c'est une nuit d'été, qu'il fait beau et chaud, mais vous êtes quand même à une altitude qui fait que le soir, la fraîcheur tombe quand même assez vite. Bah, de toute façon, si on n'a pas 36 endroits pour Ah traverser, bah hormis oui. le vieux pont de pierre, on va pas avoir le Ah choix. bah ouais. Bon, on vérifie juste que tout le monde est passé à autre chose et ne nous suit pas. On vérifie pas ce qu'on fait. On a dit au revoir et puis on se presse, du coup, on se dépêche. On attend que la nuit tombe à D'accord. notre cabane, et une fois que la nuit est tombée dans notre cabane, on fait le Mais chemin. non. Ah bah si, s'il faut repasser par le village, Ben non, on y va directement. Oui, Faut qu'on s'installe. sauf que s'il y a des gens Mais qui nous non, il n'y voient, aura personne. Qui veux-tu que ce soit qui aille par là en ce moment? mais il y a des gens qui vont nous voir. Mais on s'en fiche. Mais oui, sauf que nous, notre cabane, elle est là et il faut Ben oui, descendre là. mais. Ils vont se demander, Mais non, si mais après, jamais ils ça vont va être voir. trop dangereux de faire la route. Je rappelle qu'il y a la maison de Mirol et Rivière, les parents de Milnir, elle est juste là. Mais on attend qu'ils soient rentrés, hop, on se faufile derrière. Allez, on va pas refaire tout le tour la nuit, c'est dangereux. Bon, faites comme vous voulez, moi ça m'énerve. Ah, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Si la planque de cobol, elle est dans ce coin-là, c'est ça? C'est ça, elle est là. Et ben voilà. On fait genre, on s'éloigne par là, sauf que vers notre cabane, sauf qu'on bifurque, on essaie d'aller discrètement jusqu'à la planque de cobol. À mon avis, vu comment il s'est fait engueuler, ça m'étonnerait qu'il y retourne. Ça m'étonnerait qu'il y retourne. Et on attend Ok, que la soirée d'accord. tombe. Et Si là, tu veux. discrètement, comme ça, on n'a pas tout le village à traverser. On n'a pas à Si passer tu devant la veux. maison de Milnir. Et chut, discrètement, on va jusqu'au pont. Si tu veux. Ouais, au moins, ça nous fera moins de détours, hein, c'est sûr. Ah bah oui. En espérant qu'il n'y ait pas un Donc sanglier. vous passez par où pour aller à la grotte? Bah en fait, je sais pas si en passant. Ah zut, je sais pas si en passant par ici et d'ici redescendre jusque-là, c'est possible. Est-ce qu'il y a un grand dénivelé en fait? Ici surtout c'est un grand dénivelé. C'est vrai que par là bah, c'est assez casse-gueule aussi. Il faudra faire des jets de genre escalade quoi. Ouais, non, on va faire au plus simple. D'athlétisme donc. Ouais. Non, bah on va faire au plus simple, on va passer dans le village comme Marlowe l'avait dit, et puis on va croiser les doigts, on va essayer d'être Voilà. discret, et puis on va Donc vous traverser. attendez la nuit, c'est ça? En fait, c'est vraiment pour aller, on va dans la planque de Kobol, on attend la nuit, et une fois que la nuit est tombée, là on sort de la planque de Kobol et on descend vers le pont. Et donc vous allez à la planque de Cobol, il fait encore jour, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah, faites-moi un jet de discrétion. Ou. Attends, attends, je vérifie si c'est vraiment ça que je vais vous faire faire. Oh, de supercherie, voilà, on va dire, parce que si quelqu'un vous voit, comme ça on verra si. Parce qu'il y aura forcément des gens qui vous voient. Alors attends, supercherie, tromperie, c'est Ouais, ça doit être ça. ah, est-ce que c'est pas la même Ah, c'est pas le. Ouais. ouais, c'est pas traduit de la même façon. Et
Et vous racontez quoi comme histoire pour bluffer les gens, pour dire que vous partez dans ce coin-là plutôt que là-haut, puisque Marlowe, elle a avalé sa langue, elle va pas arriver à mentir. Non, qu'on est parti pêcher. Quoi? Ouais, sauf qu'on n'a pas de canne à pêche. Non, mais sinon, Milnir, toi, tes parents, ils sont On l'a là-bas. laissé dans la caverne. On est parti, on part à la cabane, on leur dit, Oui, ouais, parce que finalement. tes parents qui sont là, quand ils vous voient passer dans la rue, ils disent mais alors vous allez pas dans la cabane? Et on a pris des filets pour aller pêcher là. Comme si qu'on était D'accord, eh bien. des Bon, aventuriers. il est encore assez tôt pour que ce soit crédible. Donc, d'accord, bon, eh bien, arrivez quand même assez tôt dans la forêt, hein, pour pas vous faire surprendre par la nuit. Oui. Faut que vous montiez dans la cabane avant qu'il fasse nuit, sinon c'est trop tard, vous revenez à la maison. Non, on va juste un tout petit peu à la rivière et en fait on va aller remplir nos gourdes pour cette nuit à la rivière. Et puis on va essayer de pêcher, mais bon, on verra bien. Ouais, voilà, on verra bien. Ok. Marlo, Donc, tu viens? j'hoche de la tête et je regarde pas la personne dans les yeux du tout. Oui, surtout que c'est les parents de Milnir. Je me dis, oh là 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 là. Milmir, tu n'en reviens pas à quel point tu es arrivé à leur mentir avec aplomb. Tu pourrais presque culpabiliser. Oh, il y avait une petite part de vérité, mais Et donc vous allez dans la grotte de Kobold, c'est ça? ouais, juste le temps qu'il fasse que ça commence à que la nuit commence à tomber. Puis on va peut-être en profiter pour moi, je vais en profiter pour refouiller un petit peu parce que mine de rien, moi la grotte, j'ai pas vu grand-chose. J'ai pas vu grand-chose vu que je me suis bien fait défoncer par le sanglier, mais je sais pas s'ils sont revenus dedans, Kobol et les Justement, autres. tu vas me faire un jet de sauvegarde d'intelligence pour voir si tu as la volonté, assez de volonté pour retourner dans la grotte. Une fois que tu te trouves dans le tunnel qui y emmène, est-ce que t'as pas trop. Intelligence ou sagesse? Bah, je pense que volonté, en général, c'est intelligence, non? Ou c'est Non, sagesse? je crois que c'est sagesse. C'est tout ce qui est peur et tout ça, c'est sagesse. Il me Bah semble. alors une sauvegarde de sagesse. Bon, bah voilà, de toute façon, j'ai fait 6. Ouais, tu te sens pas bien quand une fois que tu rentres dans le. T'as vraiment des souvenirs désagréables qui remontent d'un coup, là, ça te met en panique. Et moi, je reste à l'entrée, je surveille. Je monte la garde, si ça vous embête pas. Et puis je reste dehors, je reste assis juste à l'entrée. Je rentre pas. Oui, tu peux même être planqué puisqu'il y avait un beau buisson devant l'entrée de cette grotte. Hein. Ceux qui ont cherché le sanglier il y a jour n'ont pas tout ravagé, quoi. Donc la grotte est toujours un peu dissimulée. Et je regarde le ciel en me disant, bon, j'espère que ça va bientôt, que le soleil va se dépêcher de se coucher. Qu'on puisse y aller et s'éloigner de cet endroit. D'accord. Mélinir et Marlot, vous allez dans la grotte? Oui, on rentre, hein. Bah oui. Ouais. On tourne dans cette petite cavité, voilà, où
On avait été interrompu durant nos fouilles. Moi, je continue à observer. Bon, c'est sûr, je m'attarde pas sur les dessins gravés sur le mur, dessinés sur le mur, mais voilà, je regarde éventuellement si j'essaye de sentir l'air autour des parois, voir s'il n'y aurait pas un Eh bien, passage, quelque chose. pour sentir, tu sens, ça sent toujours pas bon. Ça sent toujours une espèce de moisie, et il y a toujours la paillasse, nauséabonde. Par contre, vous remarquez assez vite que toutes les autres affaires, comme les petits outils qu'il y avait, les bâtons ferrés, tout ça, ça a disparu de la grotte, ça a été ramassé. Vous voyez bien aussi au sol une énorme trace de sang, et il y a peut-être même du sang de Vaison, en plus de celui du sanglier. Par contre, tu sens pas d'air avec main, par exemple. Oui, c'est au niveau du toucher, quoi. Quand je mets, je sens pas de différence de température, quoi. Ben, la pierre est fraîche, mais elle est fraîche partout. Bon. Bah moi je refouille aussi un petit peu avec le renard. Là j'essaye de regarder, soulever des trucs qu'on n'aurait peut-être pas vu la première fois, parce qu'on a un peu été interrompu, puis après tout le monde est venu. Donc je sais pas, je me dis est-ce que les adultes n'auraient pas laissé des. Voilà, des choses qu'ils n'auraient pas vues ou qui auraient été dissimulées, quoi. Ouais, fais voir un jet de perception. Alors, perception. Ou ben, tu regardes tout bien partout. Et en fait, si tu trouves, c'était vraiment bien caché derrière la paillasse, un peu dans une anfractuosité, une espèce de petit couteau pliable. Waouh. Je le déplie. Est-ce que ça a l'air d'être assez aiguisé, tranchant ou c'est plutôt émoussé? Oui, non, c'est un bon taux. Il doit avoir une bonne valeur, mais voilà, tu penses là où tu l'as trouvé, tu penses que personne l'a vu, et peut-être que même Kobold lui-même, s'il était revenu, l'a peut-être pas retrouvé lui-même. Moi, je vais le donner à Vaison alors. Et tiens, je t'ai trouvé une arme pour lutter contre les sangliers. Il y avait ça caché. Ouais. Bah attends, il est chouette le couteau que j'ai trouvé. Regarde, il a l'air bien coupant, hein. Ah oui, on a jamais vu Kobol, on n'a jamais vu qui que ce soit au village utiliser un truc comme ça. Bah, si, ça doit être un couteau qui se plie. Oui, mais c'est peut-être non, mais je veux dire, c'est peut-être. Celui-ci? Ouais, on sait peut-être que Kobol, il l'a Celui-ci piqué à en quelqu'un. particulier? Ouais, je me dis Kobol, il l'a peut-être piqué à quelqu'un. Ah, pas bête. Donc au cas où. Fais voir un jet d'investigation. Investigation. 13. Ouais, moyen. C'est le genre de couteau que les hommes de peine, ils ont tout le temps sur eux, qu'ils utilisent pour couper des pommes, des morceaux de corde, enfin, dans leur quotidien, pour manger aussi. Ouais, donc ça va, Tu ça sais qu'ils ont me. tous des couteaux dans ce genre. Bon, je verrai. Pour l'instant, je vais. Ouais, pour l'instant, je vais le garder. Pour l'instant, je vais le garder. Je verrai ce que j'en fais plus tard.
Bon, c'est, je pense qu'on va peut-être pas, on va pouvoir, on va pas tarder à pouvoir y aller, je pense. Ouais, bah écoute, je suis prêt, hein. On peut repartir. Hein. À part ce couteau, on n'a rien trouvé. Hein. La nuit tombe, ils ressortent, Milnir et Marlo, vous ressortez avec la torche allumée. Est-ce que c'est une nuit... Ah, il n'y avait pas de nuages, donc on est éclairé par la lumière des étoiles, mais au niveau de la lune, c'est quoi? Pleine lune, quart de lune? Parce que peut-être que si C'est c'est... presque Ouais. pleine lune, mais la lune ne brille pas au point de vous affadir les étoiles, quoi. Par contre, vous avez une belle clarté quand même, ouais. Donc, du coup, pour l'instant, on n'est pas obligé, on n'est peut-être pas obligé d'allumer nos torches tout de suite. On peut au moins aller jusqu'à traverser le pont, puisque c'est le chemin, la route dans le village. C'est pavé, ça doit pas être trop compliqué à suivre. Oui, puis vous connaissez le coin là. Du coup, voilà, on allume une torche ou une lanterne que une fois qu'on est sorti, une fois qu'on a passé le pont, qu'on est au pied du pont, à ce moment-là, on allume une torche et comme ça ce sera déjà beaucoup plus discret. D'accord. Donc vous faites comme ça. Tu regardes le ciel peut-être pendant que vous êtes dans le noir et Oui. pendant que la nuit est tombée et tu remarques la constellation du chasseur, c'était bien ce que tu pensais, elle est bien, si je prends le meilleur outil, ça ira mieux, elle est bien alignée comme ça. D'accord. Alors, je peux te la mettre là hein, si tu préfères, c'est puisque tu es ici. Avec la pointe vers le haut et qui montre la flèche de son arc, et le pied qui est à la base, qui est vers le sud, quoi. La flèche Vers le nord-ouest, sud, sud-sud-est, quoi. sud-est, ouais. Voilà. D'accord. Bon. Bah, quand on commence à marcher avec la torche qu'on remonte là par ici, qu'on longe vraiment on va peut-être longer la rivière, mais pas coller juste au bord de la rivière, parce que j'ai peur que la lumière, une torche qui se promène là, j'ai peur que ça se voit. Ouais. Mais voilà, c'est. On s'éloigne un petit peu, on met peut-être. Moi, je tiens peut-être la torche ou la lanterne, je ne sais pas ce qu'on a exactement, mais je la tiens un petit peu bas, histoire de. Parce que si je la tiens à bout de bras au-dessus de Donc une moi. lanterne que vous tenez bas, voilà, Ouais. pour pas faire trop de, C'est pour pas trop ça. vous faire voir. Un peu au ras du Et sol. plus du côté vers lequel on marche que vers le côté village, quoi, en fait, on les met un Ouais, peu, c'est ça. voilà, protégés de nos silhouettes. Essayez d'être le plus discret possible. Et voilà, et je pense longer la rivière jusque l'orée de la forêt. Et après là, bon, on suit exactement le chemin qu'on avait pris plus tôt dans la journée. Hein. D'accord, pour arriver là à peu près. Alors je rechange d'outil. Pour arriver à peu près là. Là où on était, À peu près au niveau de la cabane. ouais, passer par la cabane, et après, Ouais, donc la effectivement, cabane est là. ouais, et après, oui, alors, si on part du principe que les lumières dansantes, c'est peut-être des lueurs de feu follet qu'il y a dans les marais, effectivement, après, on peut peut-être essayer de redescendre un peu plus vers le sud, sud-est, vers les abords du marais. On verra bien. En tout cas, on est au moins passé à la cabane pour repérer, pour avoir un lieu où se replier si besoin. À partir du moment où vous entrez dans la forêt, il faut savoir que on vous a quand même raconté pas mal d'histoires sur les fades la nuit. Alors c'est bien, vous avez évité de la voir.
C'est quand même l'endroit qu'on dit très dangereux la nuit. Mais la forêt, voilà, c'est pas forcément très rassurant pour vous. Et vous entendez des bruits nocturnes, bien entendu. Ouais, mais on a le renard. Là, Vous c'est... avez le renard. Qui doit être un peu comme nous, Tout à non? fait. Je sais pas. Bah, Non? le truc, c'est que si c'est des animaux dont lui, il a l'habitude en forêt, ça va. Après, si c'est, y a un truc un peu bizarre ou un prédateur, Ça le va fait, nous alerter. voilà, il va réagir et pas tout de suite le savoir, grâce à lui. Donc après avoir marché de façon assez groupée avec le renard, vous finissez par arriver au vestige de la cabane. Vous faites quoi? Bah, on regarde déjà si il y a eu du passage. Et puis on va s'installer quoi. Et puis on va regarder en même temps le ciel si on arrive à retrouver justement cette constellation. Essayer de nous repérer quoi. Moi, je me dis que j'ai pas tout compris à leurs histoires d'étoiles et de machin et de lumière. Bon. Mais si, il y a ça, donc il y a Non, mais je te toutes le ces dis pas. étoiles-là. Je te le dis pas. Non mais moi là je parle Ah, à à Mimir. Mélia. Ah oui, Mais Mimir, tu peux faire un jet de perception? La constellation, elle est là. Là, il y a son bras. Bon, là, on va dire qu'il y a sa tête. Et ça, c'est ses jambes. Ouais, bon, il faut de l'imagination, mais c'est ça. Hein. Et voilà, sa flèche, elle va vers le village. Et lui, ses pieds, ça va vers le marais. Là, j'ai du mal à les repérer là, les étoiles. Quand tu Il y en arrives a vers la tellement. cabane et que tu veux voir, quand tu arrives vers la cabane et que tu veux voir s'il y avait des traces de quelqu'un, Vaison te parle en même temps, il te fait lever le nez et puis tu t'étales en plein milieu des anciennes poutres là, enfin c'est pas vraiment des poutres mais des anciens troncs d'arbres qui ont servi Oh mince, mais pour construire la cabane. oh, c'est pas vrai. Et ouais, tu te fais même, tu te blesses pas mais tu te fais un peu mal quoi. Ça Mais va? Mimir, il veut pas regarder les étoiles que je lui montre, il préfère s'assommer à moitié et voir des étoiles tout La seul. vache, je me suis pas loupé, hein. Bah. Les étoiles, ouais, j'ai regardé un peu trop les étoiles et au final, je me suis rétamé, quoi. Bon. Bah maintenant, tu peux le commencer ton feu. Oui, bah on peut faire un. Vu qu'on l'avait préparé tout à l'heure, on n'a plus qu'à l'allumer, en fait. On va être trop chaud. Bon, dans le doute, même si j'ai un doute que. Mais dans le doute, je fais un peu ce qu'on avait dit avec les feuilles qui me restaient de parchemin. J'essaye de voir si. On avait dit qu'on essaierait de voir s'il n'y avait pas un Si en truc caché dessus. chauffant, Ouais. ouais, donc bon, là vous avez un briquet, vous allumez le feu sans problème. Et puis, tu passes ta feuille de parchemin dessus et à un moment, il y a une auréole brune et puis c'est de plus en plus brun et elle prend feu, mais t'as pas eu le temps de voir quoi que ce soit. Alors, j'ai. En tout cas, d'après toi, il n'y a rien. Ah bah, il n'y a plus rien, Ah, voilà. Bon, alors, avec le poème, là, Par la nuit sans nuages d'été, bon, on y est. bah ouais. Trouve l'eau morte qui l'aspire. Bah, l'eau morte, c'est la narse, hein. Ouais, donc, c'est pas ici. Donc, il va falloir qu'on descende encore un petit peu plus au sud. Ouais, un petit peu, un petit Le peu. chasseur est ton guide, suit la lumière dansante à son pied déposé, après l'avoir appelé trois fois. Donc ça nous indique une direction. Donc si chasseur est ton guide, suit la lumière dansante à son pied déposé, et avec l'eau morte qui aspire, ouais, il faut qu'on descende vers le... De toute façon, là, j'ai allumé le feu. Je mets des grosses bûches dedans qu'on avait préparées. Comme ça, je ne sais pas combien de temps on va en avoir, mais quand on reviendra, on aura un feu de camp.
qui pourra nous réchauffer, et surtout on aura aussi un point de repère dans les bois. Au bout d'un moment, on verra la lueur du feu de camp qui pourra nous servir de guide pour revenir jusqu'ici. Et naturellement, on a fait attention, parce qu'on n'est pas bête, on a fait attention aussi de déblayer tout autour, histoire que la forêt, elle ne prenne pas feu. Bah ouais, ouais. On n'est pas fou. Voilà. Oui, parce que c'est un été assez sec quand même, même si vous n'êtes pas très loin de la Narse. Non, non, on a fait attention à l'histoire que... Bon, on a essayé. Oui. Bah, ce qu'on a fait, on pense que c'est bon, de toute façon. Ouais. On est assez confiants et puis bah, du coup, on essaye de repérer bah, les différents repères, et puis on va aller voir côté de la Narse si on voit quelque chose, un reflet particulier, et puis peut-être que ces feux d'encens, ces lumières d'encens, c'est peut-être les ondulations du Narse. On se prend chacun une torche, ouais, histoire d'être bien éclairé. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai pas envie de me rétamer à nouveau. Ça m'a fait mal. Et puis bah direction. Donc vous allez sud-est. Jusqu'à la lisière de la forêt, c'est là. Montre-moi où vous allez. Bah moi je pensais, ouais, c'est ça. On allait et toujours en prenant des bâtons pour aussi sonder devant nous quand on va commencer à sentir que ça devient un peu plus spongieux le sol. Voilà, on a toujours un bâton dans une main, une torche dans l'autre. Et ouais, effectivement, comme Myrthe a dit, ouais, on longe vraiment pour aller jusque-là. Alors, dans la forêt, vous entendez les oiseaux nocturnes et tout ça. On a entendu un chat sauvage. Oui, on a entendu un chat sauvage, oui. Faut aller voir le chat sauvage ou ça va ? Non, non, ça va. Non, non, il a l'air de dormir. Et là, vous arrivez à la Narse. Et c'est tout de suite différent l'ambiance parce que... Il y a ce silence oppressant. Et vous allez me faire un jet d'investigation tous les trois. Oh là 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 là, la catastrophe. Ah, Milnir, tu es leur seul espoir. C'est ma meilleure compétence. Hein. Ouf. Alors, Milnir. T'as fait quoi ? T'as fait un vin naturel ? Ah bah oui. T'as rien compris au début à ces histoires de constellations, de chasseurs et tout, donc t'as vraiment réfléchi à ce que Vaison te disait. Tu comprenais rien, puis quand vous arrivez là, tu lèves le nez pour la regarder, la constellation. Alors déjà, tu vois que de la lisière, c'est pas super facile à voir. Mais... En te concentrant, tu comprends que finalement le pied du chasseur, eh ben, si la constellation elle est comme ça, vous êtes à la tête de ce côté de la Narse. Regardez, j'ai l'impression que. Je sais pas si t'as compris. Le pied, il faut aller en bas de la Narse. Il faut contourner. Alors, je sais pas par où on peut passer, mais en gros, il faut aller jusque-là. Les pieds sont ici. Faudrait au moins que vous retourniez loin pour pas risquer de vous tuer, surtout la nuit. Oui, oui. Donc, en gros... Ah, c'est pas la bonne... En gros, on sait complètement... Ça va. Il faudra faire un sacré détour. Hein. Ah, et puis... Comment on s'est parti, alors ? Pardon, plus de temps maintenant, j'ai compris. On a ici. Ok. Bon, on se presse un peu. Bon. On va récupérer quand même nos affaires. Vous vous éloignez de la Narse. Et du coup, vous contournez. Faites-moi voir un jet de perception. Ah, il y a encore ce chat qui est à côté,
Non, c'est le renard en fait. Oui, je sais pas, le renard il s'est arrêté devant le petit chat. Ouais, quand vous arrivez à peu près à ce niveau-là, Maro, t'as l'impression de voir une lueur au loin sur la route. Là, regardez, il y a une lueur. À quel niveau? J'ai pas vu par là. Le ping. Enfin, vous êtes à peu près là. Et ouais. La lueur, elle doit être, vous la voyez, elle est un peu après le virage, quoi. Et regardez, il y a la lueur, elle est là-bas. C'est ça, faut la suivre dans notre histoire. Milnir, tu entends même un peu des voix. Attendez, taisez-vous, j'entends quelque chose. T'entends des voix d'hommes qui parlent. D'hommes ou de garçons? Plutôt d'hommes. Taisez-vous. On va essayer de s'approcher discrètement. Ok, d'accord. Alors, elles ont l'air de se rapprocher de vous, les voix, et la lumière. Ah, oh, cachez là, dans le petit bosquet. Ouais. C'est ça. Exactement. Faites vite. Et on a laissé le feu là-bas dans la forêt. Hein. On n'a plus le temps. En tout cas, vous êtes planqués, là, et puis bientôt, vous voyez quatre bonhommes qui arrivent, quatre silhouettes. Et puis, vous entendez, mais vous mettriez votre main à couper, que c'est la voix de Kobol qui dit « Oh ben, on a attendu des heures pour rien !» Et la voix de son père qui répond « Chut, c'est comme ça, on peut pas tout, c'est pas toujours exact. » Et vous entendez une autre voix encore qui vient de la silhouette, alors c'est avec la lumière, vous les voyez hein, quand même, maintenant qu'ils approchent. Il y a un grand costaud chauve hein, qui dit il fallait qu'on aille voir les dames grises aussi. Et puis le quatrième, qui est une espèce de grand échalote de 2 mètres, vous avez déjà vu au village, hein, enfin il habite pas loin du village. Il dit moi, j'aime pas bien ça, les dames grises. Et Frondier lui fait « Oui, ben, c'est comme ça. On en saura plus. » Et puis, il continue à marcher et vous entendez juste leur voix qui diminue, mais vous n'entendez plus ce qu'ils disent. Les dames grises, ça nous dit quelque chose? Ben oui. C'est des fades. Maintenant, est-ce que ça vous dit quelque chose? Faites-moi un jet d'histoire. Vous savez que c'est des fades, mais lesquels? Ouais. Alors, vous savez que c'est des... Normalement, elles sont vraiment enfoncées dans la forêt. La nuit, ce sont des dames mélancoliques qu'il vaut mieux éviter. Et il paraît que le jour, elle se transforme en biche et elle parcourt la forêt. Mais pourquoi est-ce qu'il voudrait aller voir les dames grises? Et puis, je sais pas, là, ils avaient l'air de dire qu'ils cherchaient un truc. Ils attendaient quelque chose. Ah, si ça se trouve, ils avaient découvert le parchemin avant nous. Hein. C'est possible, hein, de toute façon. On l'a trouvé dans cette caverne. Ça se trouve, ils ont trouvé le parchemin, ils ont lu le truc, et puis, comme nous, sauf qu'ils sont moins intelligents que... Bah, justement, c'est ça le problème. C'est mais... si Kobol, il est aussi bête que son père, ou l'inverse... On va pas s'inquiéter. Ils ont peut-être rien compris. Bah, c'est pour ça. Et ils venaient vraiment de beaucoup plus loin sur la route, alors... Vous les avez repérés au moment où ils étaient vers là. D'accord. Pourtant, ils ont l'air de venir de la bonne direction. Hein. Bah oui et non. Ils avaient l'air de venir de beaucoup plus loin. Bon bah alors ils sont plantés. C'est pas ça, grave, on va trouver le bon truc. Ouais. Allez. Bon, allez, on continue, on sort du bosquet.
On contourne et on va dans la direction que Minir nous avait dit au sud de la Narse, en faisant bien attention avec le bâton, avec les bâtons à bien sonder avant d'avancer. Du coup, on risque de marcher beaucoup plus lentement, mais tant pis. Ouais, vous prenez votre temps, vous arrivez, je pense que vous devez arriver avec tout ça, il doit bien être 1 heure du matin quand vous arrivez à peu près ici. Et là, quand vous regardez la constellation, ben ouais, là, vous voyez vraiment que vous êtes au pied du chasseur de la constellation, quoi. D'accord. Ça y est, on y est. T'es ici. Et le renard couine un petit peu. Oula, Et il oula. tourne en rond autour de vous. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors là, dans le Il se calme un poème. peu quand tu lui parles, mais tu vois que par moments, il tremble même un petit peu d'excitation. Ah, déjà, c'est bien, c'est de l'excitation, c'est pas de peur. Mouais. Là, ils disent le chasseur est ton guide, suis la lumière dansante à son pied déposée, après l'avoir appelé 3 fois. Ah, vas-y, faut l'appeler, hein. Déjà, il n'y a pas de lueur, il n'y a pas y a pas de feu follet qui se dégage des marais ou quoi que ce soit. Vous voyez pas de feu follet, non. Et Vous voyez pas de. après l'avoir appelé 3 fois, La seule lueur que vous voyez, c'est celle que vous produisez. bon, alors, si. Le silence est nouveau oppressant. Le seul bruit que vous entendez, Marlowe, vraiment, ça devient pénible. T'entends un petit bzzz. Dans mes oreilles? Un C'est petit des. bruit de moustique, ouais, qui vient à ton oreille. Ah non, pourquoi ils viennent me voir que moi? Parce qu'ils aiment la chair fraîche. Ah, bah vous êtes pourris alors, c'est ça? T'as peut-être du sucré, trop de sucre sur toi, je sais pas. Peut-être quelque chose de poisseux. Bien sûr. Bon, là, Peut-être de la confiture que t'as laissé traîner. dans le poème, ils disent qu'il faut sous la lumière, suit la lumière dansante à son pied déposé après l'avoir appelé 3 fois. Vous croyez qu'il faut qu'on appelle le chasseur 3 fois? Non, il faut peut-être, je sais pas, avec un autre bâton, faire des ondes sur l'eau. Taper 3 fois dans l'eau, au niveau de ses pieds. Si vous voulez, moi je vous laisse le choix, c'est où vous réfléchissez encore un moment, et quand vous en avez marre, vous me faites chacun un jet d'investigation et ça pourra peut-être vous donner un coup de pouce si. Mais vous êtes pas loin en fait. C'est comme vous le sentez. Il faut trouver de toute façon l'eau morte qui doit peut-être en fait être mouvante, je pense. Peut-être non, juste devant cet endroit où on pourrait peut-être s'enfoncer. Il y a peut-être un passage, sinon peut-être là à ce niveau-là. Il n'y Ouais. a pas un reflet de la lune à un endroit précis? Bah, c'est justement ça que j'essaye de repérer. Pas le reflet de la lune, mais peut-être le reflet exactement de cette étoile qui correspond à son Alors, pied. c'est compliqué de voir un reflet parce que, au cas où vous n'avez pas oublié, c'est pas vraiment de l'eau. Ah ouais. C'est plein de touffes d'herbe. Aqueuse. Sinon, on essaye de. Je sais pas, on n'a pas un récipient dans lequel on pourrait mettre un petit peu d'eau. Puis le placer. Mais de toute façon, enfin, là il dit ça dit bien après l'avoir appelé 3 fois. Suis la lueur dansante à son pied déposé après l'avoir appelé 3 fois. Mais il faut déposer quoi? Bah, la lumière dansante. Peut-être une. Moi, je pense que c'est peut-être une torche Ben, faut ou. approcher une torche et voir où est-ce que ça bouge, où est-ce que ça danse. C'est peut-être un endroit où il y a un courant d'air. Il faut faire danser la lumière pour essayer de voir Ouais. peut-être la réponse. Bon.
L'eau morte qui t'aspire, il n'y a pas un puits? Une crevasse? Ouais. Et l'eau morte qui aspire. Attends, par la nuit, sans nuage d'été, Ça, c'est bon. trouve l'eau morte qui t'aspire. L'eau morte qui t'aspire. Donc, ça, on est cl c'est clair et net que c'est là, c'est le marais. Le chasseur est ton guide, d'accord? Suis la lumière dansante à son pied déposée. Là, c'est peut-être la lumière dansante. L'étoile qui marque son pied, c'est pas, elle est bien bien brillante ou elle est un petit peu, elle, la lu, la lu, enfin, l'intensité de l'étoile, elle varie un petit peu. Elle scintille. Oui, mais ça scintille, mais c'est, elle est toujours aussi, c'est toujours aussi vif, quoi. Il y a pas. Parce que parfois il y a des étoiles où on a l'impression qu'elles clignotent un peu ou qu'elles pulsent et tout Alors, ça, pas là. celle-là. Pas celle-là. Vous chauffez quand même. Là, je sèche sur le truc. La limite, je pense qu'au bout d'un moment, En je dis. fait, il n'y a pas une drôle, enfin, une au odeur bout d'un moment, tu spéciale. peux peut-être te dire c'est une question de rythme. Le chasseur est ton guide. Suis la lumière dansante à son pied déposé, après l'avoir appelé 3 fois. Bah, moi, je vais gueuler 3 fois. Je vais appeler le chasseur 3 fois. Au bout d'un moment, je me dis, bon. Il faut appeler le chasseur. Tu fais ça, il se passe rien, mais là tu tapes la main sur le front, tu dis, mais bon sang. Et en fait, tu dois au pied déposer une lumière dansante et après l'appeler 3 fois. C'est évident. Mais où est D'accord. son pied alors? Faut la poser où la lumière? Mais c'est peut-être à mon pied. C'est peut-être à mes pieds. Au pied de la personne qui appelle 3 fois. Vas-y, essaye. Ah si, ben, on essaye avec une torche que je plante à mes pieds. Ouais, au pied. Donc en la plantant, tu te dis, ben ouais, c'est bien au pied du chasseur, quoi. Et puis une fois que c'est fait, ben, je vais l'appeler 3 fois. Du coup, comme je ne sais pas trop, au début, je pense que la première fois, j'appelle le chasseur, mais pas trop fort, tu sais. Puis après, je me dis, Ouais. bon, et les 2 fois suivantes, par contre, la deuxième fois, je le fais un peu plus fort, et la troisième fois, je gueule vraiment. Je le gueule vraiment très Ouais, très et fort, quoi. au moment où tu gueules, il se passe un truc. Oh, tu dis le troisième nom, il y a plein de petites, comme plein de petites étoiles, plein de petites lumières qui commencent à scintiller sur le sol devant vous, à s'enfoncer dans la nasse. C'est tout lumineux, c'est vraiment magique. C'est comme une ligne lumineuse qui reprend le motif de la constellation du chasseur, comme si elle se reflétait dans le marais et la torche est vraiment au pied. Là, le renard, il couine, il vous regarde, il a l'air vraiment tout excité, quoi. Bah, moi je reste un peu bouche bée devant ce qui se passe devant là. Et le truc c'est sur après ça dit c'est le chemin d'un sens que j'ai suivi depuis Farandel au même pays mais changeant d'où je viens. Est-ce que la constellation, enfin les lueurs qui se sont. Est-ce que ça semble former un chemin? Eh À bien, oui. travers la narse. Bon Ça a bah. l'air pas mal. C'est Mais c'est le peut-être. chemin d'un sens.
Le temps que vous y réfléchissiez, vous êtes tout émerveillé et en train de vous poser des questions en même temps. Et vous voyez le renard qui commence à s'engager le long de ses petites lumières. Et puis, quand il voit que vous ne le suivez pas, il revient. Et Ah, puis, si, je lui emboîte le il pas. couine un peu. Allez, on l'a Oui, trouvé. et tu sens que faut y aller doucement, mais tu sens que le sol est ferme sous ton pied. Bien, on y va. Voilà, c'est bien ça. Et moi, je suis bien content, je me dis, ah, nous, on l'a trouvé, Cobol, il n'a rien trouvé du tout. Et petit à petit, vous vous rapprochez du centre du marais en suivant cette piste. La flèche du chasseur a l'air de mener vraiment vers le milieu. Mais heureusement qu'il y a cette piste pour vous rassurer et puis le renard, parce que plus vous progressez, plus il y a de la mousse décomposée, des arbres morts, des végétaux rampants. Et peut-être même parfois ça vous rappelle l'ondulation que vous aviez vue de l'autre côté. En tout cas, vous restez bien sur le chemin. Oui. Et quand vous arrivez à un bosquet vers le centre, vous voyez le renard qui fonce. Il fonce devant vous. C'est des arbres assez enchevêtrés avec des ronces et tout. Mais lui, il passe à travers. Je l'appelle, je lui dis, attends-nous, Il, attends-nous. vous l'entendez tout excité. Et puis, vous entendrez un craquement de branches et un petit jappement. Un petit cri, quoi. Et vous entendez plus rien. Ah bah, enfin, moi j'y vais. Moi j'y vais, je fonce Ah oui, dans le moi je buisson. trace, hein, je le suis. Ouais, c'est tout sombre dans. En fait, le petit chemin était bien éclairé, vous n'aviez pas de lumière parce que sinon vous ne pouviez pas le suivre. Mais maintenant que vous êtes arrivé à ce bosquet, c'est bien sombre. Si vous voulez y voir quelque chose, parce que c'est pas mal ronceux, il y a des branchages. On va peut-être allumer une torche. Ouais. Je Ouais. l'appelle, t'es où? Tu es où? En tout cas, moi, Réponds-moi. C'est qui est en tête? c'est moi. Ouais, fais voir un jet de perception. J'ai l'impression qu'il est par là. Ouais, tu écartes les branchages. Il y a Vaison peut-être t'aide avec sa petite serpette là. Ouais. Et à un moment, par contre, tu sens ta jambe qui part sous toi. Tu peux faire un jet de dextérité, une sauvegarde. Vaison, il peut aussi pour essayer de t'aider si. C'est quoi, Puisqu'il n'est pas loin de toi. c'est qui part en avant ou c'est que... C'est que tu as l'impression qu'il part plutôt vers le bas. Tu vois, il Ah glisse, oui, il est un en train de trou. se casser la figure. Peut-être un Oh, bah trou. c'est bon, en fait, tu le vois partir vers le bas et puis il fait une espèce de déhanché qui fait qu'il se retrouve sur le ventre à se rattraper à une Ouais, espèce incroyable. de branche. Allez, je t'aide tout de suite, je t'attrape le poignet T'attrapes une racine en tout cas et puis et je j'arrive t'aide à à remonter. t'attraper la main. Et je te remonte et je dis à Marlo, aide-moi, j'ai pas réussi à le Oui, tirer il y a du feu quelque tout seul. chose qui m'attire, je sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est qu'il a failli tomber Venant dans d'en une dessous, fosse? venant d'en dessous, vous entendez le renard qui jappe, qui pousse des petits cris. Est-ce que avec une torche, est-ce qu'on arrive à voir en mettant au-dessus du trou? Est-ce qu'on arrive à distinguer un petit peu, voir si est-ce que c'est profond? Qu'est-ce que c'est que cette horreur?
Oui, C'est le renard. c'est le renard qui crie. Ouais, mais c'est... Et puis au début, il est un peu affolé, et après, ses glapissements deviennent quand même calmes. Une fois qu'il a entendu vos voix, que vous l'avez rassuré, et vous... ouais, Vaison, tu comprends que oui, c'est comme une espèce de puits qui s'enfonce C'est ça assez l'augmente loin qui vu t'aspire. l'écho. Dans votre poème, il parlait d'un autre pays ou de je sais pas quoi. Si ça se trouve, on va partir. On va jamais revenir. Mais non. Mais Mais si. là, qui est-ce qui a la corde? Oui. Dans mon sac. Eh ben, on accroche la corde à une branche et on essaye d'aller le chercher. D'accord. Bon, on fait un nœud solide. Ouais. Faisons plusieurs. On ne sait jamais. C'est ça, un nœud solide. Comment est-ce qu'on fait un nœud solide? Un jet de survie? C'est moi qui dois le faire? Ouais. Ouais, c'est toi qui es en train d'accrocher la corde. Ben ça va être bien solide. Bon, tu fais un nœud. Comme tu peux. Je tiens la corde quand même à côté. Ouais, et bon. Qui est-ce Je qui sais pas descend? comment vous y prenez pour descendre. Bah, faudrait peut-être que ce soit le moins lourd de nous qui descende. Bon, bah, j'y vais alors. Mais je vais essayer de refaire un Vous nœud. faites. Mais Je non, sens il est pas trop. bien mon Comment que nœud. tu le trouves pas bien son nœud? Ah, il est très bien mon nœud. Bon, j'y vais vite parce que moi, ça m'angoisse d'entendre mon renard comme ça qui jappe. Donc, je Vas-y, descends vas-y. rapidement. Comment Il vient peut-être faire des vous trucs faites pas pour la possibles. lumière? Hein. Bah, j'ai. Moi, Parce je vais. que tu commences à descendre et c'est noir. Hein. Oh là là, j'y vois plus Bah, rien du prends. tout. Alors, je peux pas descendre et tenir la Il lanterne dans le faut temps. jeter une torche, peut-être. Ah non, vous Ah, allez risquer de brûler mon renard. oui, c'est. Ouais. Et on Un sait peu. pas ce qu'il y a là-dedans. Non, mais Imaginez, ça je sais pas s'enflamme et ici. toutes les ronces s'enflamment et on va mourir brûlé au fond. Ah, mais vraiment, hein? Il n'y a pas. Non, mais il n'y a pas quelque chose. Je sais pas Ah, mais il faut un réfléchir endroit des où on fois. peut Hein. la. Non, mais il n'y a pas quelque chose où on peut. Je sais pas. Il Bah, pourrait le tenez-la avant de lancer. venir. Mais non, mais tenez-la moi au-dessus du trou. De toute façon, j'ai commencé à descendre. N'y a pas un support là-bas de l'autre côté où ça pourrait faire plus de lumière. Je sais pas. En descendant en toute confiance, puisque mon nœud est solide. Et là, je Moi, craque. j'essaye d'éclairer au mieux avec la torche au-dessus Marlowe du avait trou. deux chevilles intactes. Ouais, y a toujours pas un bruit à part celui que vous faites, mais vous en faites tellement que vous vous en préoccupez plus trop. Hein. Non. Non. Marlowe, tu descends. Alors, on t'éclaire plus ou moins, mais franchement, Ni plutôt moins que c'est plus. pas. Voilà. T'as l'impression que le puits s'élargit au fur et à mesure que tu descends. Et quand tu arrives au fond, ben, tu sens juste le renard qui est tout content, qui se colle contre tes jambes. Viens Mais là, tu vois pas allez. grand-chose. Hein. Remontez-moi, ça y est, je Tu l'ai. vois rien du tout, en fait. Non, en fait, quand tu essayes de l'attraper, il couine et il s'écarte. Mais viens là. Où est-ce que tu vas? Comment tu fais? En fait, tu cherches avec les bras autour de toi, tu le sens pas, quoi. Viens Tu là, l'entends soupirer un peu plus loin. Viens ici. Bon, Bon, je me alors qu'est-ce qui se rapproche de passe? lui. Je sais pas, il part dans un coin tout seul. Viens là. Je regarde Mimir et fais. Tu crois qu'il faut qu'on descende? Tu vois rien du tout en bas, en tout cas. Je m'approche de lui à tâtons. D'accord. Tu sens des. En fait, sous tes doigts, tu sens des comme du tissu et peut-être comme une branche. Et puis au fur et à mesure que tu touches, tu comprends que tu es en train de toucher un squelette, Ah! des ossements. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu es toujours dans le noir.
quelle horreur, il y a un squelette ici. Bouge pas, on descend. Oh là là. On va remonter. Mais non, mais qui va me remonter après? Moi, je tiens la corde. D'accord. Mais viens là, toi, je rappelle le renard et je continue à tâtons à me diriger vers l'origine du bruit, là où je l'ai entendu soupirer. Mimir, tu remontes la corde. Moi, j'attache la corde autour de ma taille et je descends. Toi, tu fais attention de... Tu tiens la corde de façon à ce que je tombe pas comme une pierre au fond. Et avec une main, je m'agrippe aux branches autour. Et de l'autre main, je tiens une torche comme ça. On aura de quoi se tirer en bas. D'accord. Tu as fait un jet d'athlétisme. Et c'est là... Que c'est le drame. Oui, parce que j'ai moins un. Et c'est là que tout bascule. Arrête de te mettre en danger aussi. Il y a plein, ça tombe bien, il y a plein de petites racines sur le bord du puits. Mmh. Et même si tu dis qu'il y avait peut-être des solutions plus faciles avec la corde que de faire comme ça, en fait, tu arrives à peu près à te débrouiller. Ça chauffe un peu par moment avec la torche. Ouais. Et au fur et à mesure que Vaison descend, Marlo, tu vois effectivement qu'il y a un squelette étalé aux grottes qui fait à peu près 10 pas de diamètre, la grotte. Vous voyez aussi, maintenant qu'il y a la lumière, qu'il y a des symboles mystérieux gravés sur les parois qui sont un peu humides. Tu atterris sur un sol plutôt agréable. Vous voyez que c'est de la mousse par terre. Toi, tu t'en étais un peu rendu compte, Marlo. Et en fait, votre renard, il est couché à côté du squelette. Mmh. Est-ce que c'est pas son... En observant... Bah, peut-être, en tout cas, tu vois que les os des jambes, ils sont un peu brisés. Et il a le bras comme étalé dans une certaine direction avec l'index tendu. Bah moi, je vais m'approcher du squelette et je regarde un petit peu. Bon, ça doit faire un petit moment, donc ses vêtements, ils doivent être bien pourris, moisis. Ouais. Mais je regarde si, est-ce que peut-être avec un bout de bois, c'est du bout du bâton, voir un peu, est-ce qu'il n'aurait pas eu... un pendentif ou un truc comme ça. Alors, c'est pas du tout dans l'optique de voler un objet s'il a un objet précieux. C'est juste que si on a un objet précieux, peut-être que quelqu'un qui l'aurait déjà vu pourrait l'identifier comme étant effectivement c'est bien Arne de Sneffels. Je me souviens, il avait ce pendentif là ou cette bague là au doigt. Voilà, c'est ça. C'est plus là-dedans. Je suis pas du tout dans ouais, je vais piquer les trucs parce que. C'est un cadavre, et puis on fera plus alors, rien. Alors, tu regardes, et puis finalement, tu trouves pas avec ton bâton, finalement, tu sondes un peu la mousse avec tes doigts, puis il n'y a pas de collier ou de broche, tu regardes, et puis tu veux regarder s'il n'y a pas de bague autour des os des doigts, ça te donne vraiment l'impression quand même, quand tu cherches la bague, tu as l'impression qu'il semble montrer quelque chose avec son doigt. T'as vraiment, les phalanges étaient vraiment toutes repliées, sauf celle de l'index. Non, moi, c'est ce que j'allais faire, en fait. Je rassure le renard et puis je lui dis, c'est ton maître. Il fait un petit couinement. Et après, oui, et je voulais regarder dans la direction de l'index. Peu... Vas-y, ouais, tu vois qu'il a l'air un peu triste, un peu résigné. Et puis, quand tu regardes dans la direction, tu vois avec la torche, pendant que Vaison cherche et se rapproche, comme une anfractuosité dans la roche qu'il désigne. Ah, du coup, j'appelle Vaison, regarde. Il a l'air de montrer là-bas quelque chose. Alors, je vais quand même... Ça scintille un petit peu, d'ailleurs, dans la paroi. Moi, je préviens Mimir, je dis, on a trouvé un squelette, ça doit être le maître du renard.
Sneffel, Arne de Sneffel. C'est ce que j'allais vous dire. Et il y a quelque chose d'autre? Attends, on cherche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui brille dans une crevasse. On s'approche. Peut-être que, je sais pas, il indique peut-être quelque chose. Je vais regarder. Et j'approche avec la torche, que je vais même commencer à glisser la torche dans la crevasse en direction du truc qui brille, qui scintille. Oui, tu vois que ça a l'air un peu rectangulaire. En fait, ça ressemble à... Finalement, tu le déloges un peu. C'est un joli petit coffret en bois orné de fils d'argent, comme l'étui de parchemin, tout autour de la boîte, avec la marque, la feuille qui représente la marque que vous avez vue sur la truffe du renard. Je dis à Minir, on a trouvé un coffret avec les mêmes dessins, les mêmes feuilles. Que ce qu'il y avait sur le parchemin que tu avais récupéré. Ouais, les mêmes feuilles d'argent. On a touché au but. Je voudrais quand même regarder, tu me disais qu'il y avait des symboles un peu étranges sur les murs. Donc, ouais. Je voudrais regarder un petit peu les symboles, voir s'il y a des symboles qui me rappellent quelque chose que j'aurais déjà vu dans des livres. Oh, moi, j'essaie d'ouvrir le coffret. Je me donne, je sais. Alors, fais voir un jet d'investigation pour Vaison. Déjà. Ah, voilà un beau jet de dés, enfin. Oui, il est magnifique. C'est magnifique, ces symboles. Mais t'as jamais vu ça. C'est vraiment ce que t'es en train de te dire. Quand pendant ce temps, d'un coup, Marlowe, tu ouvres le petit coffret. Et il y a une petite poussière lumineuse dorée qui s'en échappe, qui fait des petits volutes autour de toi, autour de Vaison, autour du petit renard aussi, et qui monte vers le ciel. Toi, Milnir, tu vois, c'est comme une poudre d'étincelles qui monte, qui arrive vers toi, qui tourne autour de toi, et puis qui finalement part s'envoler vers les étoiles. C'est beau. C'est vraiment un instant de pure magie. Le renard se relève, il cuine un petit peu et il vient se frotter contre tes jambes, Marlowe. Moi, je lui caresse la tête entre les oreilles. Et du coup, moi, je... Parce que là, il y a le truc qui est sorti du coffre. Mais le... Oui. En fait, mais j'ai quand même un instant où je me dis... Bah, et je regarde dans le coffre s'il y a autre chose, parce qu'il y a de la poussière lumineuse qui en est sortie. Mais je me dis, il y a peut-être encore un objet dedans, donc je commence à regarder dans le coffre. Il n'y a plus rien du tout. Même pas un petit scintillement de poussière. Je regarde dans le ciel comment on sent de... d'avoir été parcouru, je sais pas, ou par ses... Vous voyez que c'est son poudre. Âme. C'est l'âme du... De Arne. Ouais, peut-être. Bah, je sais pas, mais en tout cas, ça... À défaut de trouver un trésor et tout... C'était trop beau. Il y a le petit coffre. Il y a le petit coffre et le rouleau avec le rouleau à parchemin et puis on... Mais c'est magique, t'avais jamais vu ça dans ta vie, de la poussière qui monte dans le ciel. Non, j'en avais jamais vu. C'est peut-être ça qui fait les étoiles. Du coup, je regarde dans le ciel jusqu'où elle monte, cette poudre dorée. Elle est carrément allée rejoindre les étoiles. Waouh. Moi, je voudrais juste prendre un petit moment avec
vraiment prendre un petit moment avec la torche, avec, je dis à Milnir de me lancer l'étui, ou remarque l'étui à parchemin, je l'avais certainement en bandoulière peut-être. Et ce que je voudrais faire, c'est recopier quelques symboles avec, tu sais, Tiens, avec. attrape, mais fais attention, hein. Comme il y avait des feuilles où il y avait des trucs où c'était complètement illisible, je me dis bah, peut-être qu'en tournant la feuille, ça serait peut-être plus pratique à dessiner dessus. Et je voudrais recopier quelques symboles pour moi plus tard, pour essayer de trouver, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça pouvait être. Ouais, et t'avais un marbon ou quelque chose? Ben, je sais plus à quel moment en fait j'avais dans mes affaires, je sais que j'avais pris parce qu'à un moment, je sais qu'on avait dit, j'essayais de leur apprendre à lire et à écrire. Donc normalement, dans mes affaires, j'avais peut-être de quoi écrire un petit bout de charbon, un truc comme ça. Ok. C'est quand on avait été au Tu trouves ouais, pâturage. un petit truc dans ta poche. Ouais. Donc voilà, je recopie, j'essaie de voir. S'il y a un symbole qui est beaucoup plus gros que les autres, je me dis que il doit être plus important. Donc du coup, je vais redessiner celui-là. Et pendant que tu approches de la paroi avec ton parchemin et que tu cherches dans ta poche pour trouver de quoi écrire. Le renard, Marlot, toi, tu sens qu'il est excité de nouveau et il couine. Et quand tu vas voir, il est près de la paroi du puits et tu vois une espèce. Vous n'avez pas remarqué en descendant une espèce d'escalier, des marches qui remontent vers la surface. Et le renard commence à poser ses pattes sur les premières marches, il redescend, il repose les marches. Il veut rentrer. Et il couine, il est vraiment. Tu l'as rarement vu aussi excité. D'accord. Vous croyez que le Moi, squelette, il faut le laisser là? bah oui. Moi, je regarde juste là où il y avait le petit coffret dans le trou d'où on a sorti le coffret. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Tu empruntes la torche de Vaison ou tu fais bouger Vaison pour voir? Ah, je vous dis juste Tu mets éclair ta par main là. dedans, il n'y a rien. D'accord. Bon. Bon, moi je remonte avec le renard, il a l'air de connaître le chemin. Il y a un escalier caché, Minir, on arrive. Ah, il me semblait avoir vu quelque chose tout à l'heure. C'était là, je voulais balancer ma torche. Bon, bah, puis je vais remonter en dernier. Moi je suis le renard. J'ai mis le petit coffret dans ma sacoche. D'accord. Et puis on va remonter. Je te dis, je remonte en dernier. Non sans jeter quand Oui, même un donc t'as. dernier coup d'œil au squelette. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu le squelette, il n'avait pas une boucle de ceinture ou une sacoche ou un truc comme ça. Ses vêtements, c'était des vêtements vraiment de voyage ou ça ressemblait à autre chose? C'est difficile à dire vu ce qu'il en reste. Ouais, ok. Bon, moi je sors du bosquet, je suis le renard, j'espère que le chemin dans la nare, c'est toujours lumineux. Alors, vous sortez du petit bosquet et là, vous voyez qu'il y a une brume vraiment très très épaisse qui est tombée sur la nare pendant que vous étiez dans le puits. Non. Mais heureusement, vous voyez quand même le chemin qui scintille. Bah, je vous dis, je pense qu'il vaut Il mieux faut qu'on pas prenne trop moins de tarder. lampes. Ouais. D'autant plus que en regardant à travers la brume, tu as l'impression que l'aube pourrait commencer à percer. Ouh là là, ça va bientôt être le matin en plus. D'accord. Bon, moi, je me dépêche. Alors. Je sais même pas si j'ai pensé à récupérer la corde ou pas, c'est pas grave. Oh, si Peut-être que Milnir s'en est occupé. Peut-être. Oui, on va récupérer tout ça. Ouais, bah bien sûr. Ouais. Bon, on retourne. On va pas laisser ça comme ça. On retourne vérifier que le feu n'a pas dévoré la forêt. Ah non, on va pas faire. Ouais, Oh, bah, on va. Vous voyez vous bien avez que l'impression c'était pas le cas. que en resuivant le chemin étoilé, que vos pas sont plus assurés.
le sol est plus ferme un petit peu, enfin, ou alors vous avez vraiment commencé à prendre l'habitude d'évoluer sur ce chemin. Moi, j'ai Et tellement peur le qu'on se renard retrouve sans fonce. lumière. Ouais. Alors, on Moi, suit. je le suis, hein. Je lui fais confiance. J'accélère. Et tu sais pas si c'est il est plus loin que vous, mais petit à petit, tu te demandes si t'as pas la berlue, tu as l'impression qu'il il a beau être loin, tu as l'impression qu'il a grandi, qu'il a pratiquement la taille d'un poney, quoi. Quoi? Mais non. Et tu C'est facile. t'épêches de le Ah rattraper parce que ça paraît bizarre. Et quand là, vous êtes tous les trois, vous rattrapez le renard et d'un coup, vous entendez plein de tintements de métal comme des armures. Et vous vous retrouvez surgissant de là, entouré par une dizaine de cavaliers montés sur des. Vous avez jamais vu ça, mais c'est des lamas au pelage noir. Les cavaliers ont des armures en argent, ils sont minces, ils ont des casques élancés. Les lances sont pointées vers vous, par contre. Et il y en a un qui vous dit: À genoux, espions! Vous êtes maintenant les prisonniers du roi Pharamel. C'est qui? Ça s'arrête là. Ok.